Salut les abonnés, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai réussi à vous faire une petite vidéo car nos deux chasseurs m'ont procuré quelques images. Ça n'a pas été toujours facile, les éléments n'étaient pas avec nous, beaucoup de coups de mer et des intempéries. Voilà, donc au programme il y aura des loups, des tassergales et un sar à la fin. Je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti. Premier agachon dans le sable. Vous voyez, la visibilité n'était pas terrible au top. Ça semble bien désert. Quand un joli loup se présente, les mulets sont toujours au rendez-vous et en laissant passer, vous trouverez toujours un joli loup dedans. La visie est un peu meilleure sur cette action. Les petits sars, la mange, quelques mulets qui passent. Et tout d'un coup, sur la droite, arrive un petit groupe de loups. Il en tire un et bien sûr épargnera la femelle. Suite à l'appel au poisson qu'il a fait, un loup se présente, il vient et avec un peu de méfiance il se tourne et tire au bon moment. Thank you.
dans une eau à 15 degrés, ça semble le désert, quand d'un coup surgit un botasergal. Il a été tiré un peu bas et il s'est tellement débattu qu'il s'est tout déchiré. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit sur la croche poisson. L'eau était blanche, on aura un peu du mal à voir arriver le loup, mais une belle action quand même à la gâchon et une belle prise. Changement de chasseur. Voilà, un petit loup furtif vient voir ce qui se passe. Des mulets descendent et puis deux loups arrivent. Il ne faut pas se laisser distraire et choisir toujours la même cible car l'autre, il y en a un qui venait du bleu et l'autre qui descendait d'en bas. Toujours garder la même cible. Posé sur le sable, quelques mulets tournent autour et puis vient deux loups, une belle action et une belle capture. Testa Junior fait une petite dédicace personnelle à un chasseur qui se reconnaîtra.
appelé un loup un peu trop curieux vient s'empaler sur la flèche. Il y a un beau rendu quand même, la caméra en bout de fusil. Calé à la gâchon en bas sur le sable, les muets sont toujours là, et puis sur la droite, regardez bien, les tassergales sont là aussi, ils sont tous calibrés pareil, de la même taille, et va en capturer un. Changement de spot et sortie en bateau au Lion de Mer avec Marc Fernandez.
des Bellamides arrive, il en tire une, il la touche, mais malheureusement on va se décrocher. Là, il vous montre qu'il a repéré des brossards derrière les rochers. Très bon sort. Voilà les amis, la vidéo s'achève, la dernière de l'année. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et pour finir, un beau plateau de d'oursin fait par leur fils qui prennent soin de leur papa, car il ne peut plus les faire, même plus les oursins. Avant, c'est moi qui me les faisais et qui donnais aux amis et tout. C'est la vie. Voilà, passez de bonnes fêtes et on vous remercie. Et merci à nos deux chasseurs pour ces très belles images encore. Ciao, ciao.